Dernièrement, commune située à une trentaine de kilomètres au nord d'Abidjan, Mme Kone Elbe, principale du collège moderne, compte sur la reconstruction post-crise de la Côte d'Ivoire initiée par la Chine, pour que son établissement soit doté d'infrastructures didactiques au bonheur des élèves qui se cultivent aujourd'hui, couchés sur des nattes à la bibliothèque du collège avec des documents à prédire. La coopération chinoise est du réel, c'est du concret, en ce sens que déjà, ils nous aident au quotidien, en nous offrant déjà des infrastructures. Dans ce même sens-là, nous aussi, nous voulons leur apporter quelque chose. Ça doit être un échange. C'est pour cela que nous ici, dans nos projets, nous avons essayé de mettre en place un club chinois pour que nos enfants soient compétitifs sur le plan international.